De retour sur Outer Wilds, on n'a pas joué depuis avant, bah aventure, j'allais dire, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça, mais en fait non, c'était aventure. Donc on va continuer, aller gratter des trucs là. Hein. C'était assez compliqué de se rendre compte d'où on était. Et donc, ce qu'on a trouvé, voilà, c'est ça qui nous manque. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça qui nous manque. La crique. Nathalie Saint-Cric, il va falloir qu'on retrouve des trucs chez Nathalie Saint-Cric, là. Là, ça, on a trouvé. Le lieu secret, c'est ça. Voilà, le lieu secret des plaines fluviales. Et donc, parce qu'on a trouvé, on avait déjà trouvé celui-là. Dans le petit cabanon là. On avait trouvé ce... C'est où celui-là? Ah oui, c'est oui, c'est le petit lac là. Donc là c'était ce truc là ici. Ça c'était le petit lac. Et là donc, c'est où? Il y a la maison. La maison avec le visage de chat dessus là. Je sais pas si c'est un visage de chat. Et il y a une grotte à côté. Il y a une grotte pas loin. D'accord. Et ben on va aller chercher ça tout de suite. Hop, par contre, il y a un truc que j'ai pas noté. Hop, il faut afficher l'étranger sur la TH. Sinon, on va pas le trouver. Ce serait bien dommage. Et c'est parti! On y va. Bah, il était bien mon petit cake, ça valait pas ma pizza, j'avais envie de ma pizza, j'étais très déçu de pas avoir la pizza. Et bon, le cake est quand même pas dégueulasse. J'ai pris du temps pour le faire ce midi. Hop là, j'ai pas le temps. Faut y aller. Pleine balle. C'est bon, je me rappelle encore des contrôles. Alors du coup, ça va être quelle maison? C'est celle-là, hein, non? Non, c'est pas celle-là. Est-ce que c'est celle qui est en face? Non, c'est pas celle-là non plus. Non, reviens petit radeau. Ah oh, mais si, regardez. Il y a une grotte. Je l'ai trouvé. Il y avait une grotte. Coucou patatarte. Bien mangé, bah plutôt bien, ouais. Plutôt bien mangé, et là tu vois, on reprend. On reprend Outer Wilds direct, j'ai trouvé le bon truc quoi. Et là on arrive là. Mais faut que je trouve une lanterne. Une lanterne.
Bah les lanternes c'est en face hein. Aïe. Hop, allez. Alors, tac, le truc dedans. Il faut bien regarder qu'est-ce que c'est. Hein. Ah, c'est là où il y a la guinguette. Waouh. Il passe dans le feu carrément. Attendez, il va là. Hop. Il va derrière là. Comment il fait ça? Après, il arrive là. Il grimpe dans la maison, il passe à travers le feu quoi. Ok. Bisous bisous et bon jeu. Bah merci Yoran. Merci beaucoup. Ok, donc nous voilà là. Ah, j'ai un radeau ici. Mes jambes. J'ai pas pris de... Merde. J'ai pas pris de... d'artefact. J'ai fait le con. J'ai pas pris les artefacts. Du coup, est-ce qu'on va pas se faire une run? Est-ce qu'on va pas se faire une run les succès? On peut se faire une run les succès. Hein. Là, j'ai une petite idée d'un succès que je peux avoir. Non, non, déconne pas, déconne pas, déconne pas, déconne pas. Fous la droite. Merci. La petite musique est trop mignonne par rapport au reste du jeu. Le reste du DLC qui est quand même franchement pas agréable. Hein. On va pas se mentir. Ah, il est bien, hein, mais l'ambiance est quand même pesante. Et donc, j'ai vu un succès. C'est un peu con, hein. Je reste dessous. Voilà. Le succès s'appelait le platiste terre à terre. Je suis resté dessous. Ouais, ça a bien fait Sprouch, hein. Vous avez bien entendu le sprouch? Ça a fait sprouch. No joke. Alors. Qu'est-ce que j'ai appris? Alors. Une pièce remplie de carousels des positifs brûlés, j'ai trouvé un carrousel des positifs caché qui montre un récipient contenant un sable lumineux en train d'être remis et une silhouette obscure. Elle suit une procession de lumière verte et traverse une forêt avant d'atteindre un bâtiment éclairé par des bougies. Elle emporte ensuite le récipient dans un passage secret caché derrière une cheminée où brûle un feu vif. J'ai trouvé un carrousel des positifs caché en train d'être remis et une silhouette. Une procession de lumière et traverse une forêt avant d'atteindre le bâtiment. Donc il y a la forêt nébuleuse.
Ok. Ta-ta-ta-na-na-na-na. Les lumières sont éteintes et elle emporte le récipient dans un puits obscur. Et comment on éteint les lumières? C'est ça le truc. Les incinérations des poisons. Les lumières sont éteintes et elle emporte le récipient dans un passage secret caché derrière une peinture murale représentant un arbre imposant. Ah mais oui! I do remember. Et l'arbre imposant, je sais où il est là. Sinon là, je commande. Attends, je commande. Quoi? Ah, secrète lab, Titan et vous, 2022 series. C'est ouf. Ah, les noms. Les noms. Les noms de merde. Ah, il y a un autre succès qu'on pourrait tester. Oh, je vais tenter un autre succès. Vous m'en voulez pas, hein. Vous m'en voulez évidemment pas de tester des succès. Vous savez que les succès, c'est un peu ma vie. Non, on va commencer la session par des succès, quoi. Alors que généralement c'est quand j'en ai marre. Quand j'en ai marre, je fais des succès quoi. Mais là, regardez ça, vous allez voir, c'est incroyable. Non mais Secret Lab, c'est des sièges gamers qui coulolent. Mais là, il est soft et bien coté, d'accord, ok. Bah tant mieux si t'as trouvé un truc qui te plaisait. C'est plutôt cool. Je sais que j'ai passé du temps. Hein. Tout à l'heure, enfin. Bah, t'avais l'impression que je me moquais, je pense. Mais perso, mon siège, j'ai mis un paquet de temps à le trouver. Hein. Alors. Hop là! J'ai réussi! J'ai réussi! Ça fait genre 2-3 ans que je veux un siège. Ah oui, d'accord. Oui, bon. Effectivement, ça fait très longtemps. Donc voilà, ça c'était un autre succès. C'était passé par les conduits. Les conduits de vidage du barrage. Fallait y penser. Hein. Allez, j'ai mon artefact. Aïe. Et donc, c'était où je voulais aller en premier là? Je sais plus. Je sais plus, merde, c'était lequel? Je sais déjà plus. Je sais plus où je voulais aller. Est-ce que je serais pas un peu con? Attendez, je mets en pause. Je suis en train de me remémorer le truc là. Attendez, j'ai dit que j'allais à celui. Il y a celui. Il faut éteindre toutes les. Mais j'avais. En fait, j'ai rien dit du tout. Il y a celui où il faut éteindre toutes les lumières là.
C'est celui qui part de la tour. Ouais, faut que j'aille dans la tour là. Faut que j'arrive à trouver comment éteindre toutes les lumières. Allez, un petit dodo. Ah oui, j'ai vu un autre. J'ai vu un autre succès qui est rigolo aussi. Faut que j'éteigne les trucs. Non, faut que je trouve un moyen. D'éteindre les feux. Si je souffle, est-ce que vous pensez que si je souffle de loin... Là, il n'y a que de l'eau, que de l'eau. Est-ce que je peux tomber d'ici? Ah oui, il y a ça, tiens. Encore un succès. Désolé. Hein. Hop. Y a ça. Je peux me faire pécho par le... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave.
que c'est par là que je voulais aller, je suis pas sûr. Ah, peut-être. Ouais, c'est ça. Là, je vais me faire attraper par le... Ok. Il me faut que je trouve une autre manière de mourir. Comment je peux mourir dans l'autre monde là? Je suis déjà mort parce que... Ah, attendez, je vais regarder. Je vais tricher. Regardez pas, je vais tricher. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Attendez, je vais retrouver. Je vais retrouver. Il est là. Ouais, je sais pas. J'arrive pas à trouver de moyen simple. Merde, c'est con, j'y suis presque là. Zut. J'y suis presque. Pourquoi ça veut pas? Pourquoi je trouve pas? Ah alors. Drowning. Ah, je peux poser mon truc? Ah. Attendez, je peux poser l'artefact. Non, c'est pas ça. Ah ouais, on peut poser l'artefact. D'accord, ok, cool.
Donc celui que j'ai fait tout à l'heure, c'était la flamme qui s'est éteinte. Je suis pas mort noyé. Mais je peux lâcher l'artefact. Et me noyer. Et ça ne marche pas. Comment se fait-ce? Je le refasse? Je mourrai une fois de plus? Non. Dommage. Bon, tant pis. Donc là, faut que je trouve comment... J'ai perdu plein de temps, mais... Il faut que je trouve comment... Passer la cloche, quoi. C'est pas là, c'est à côté. C'est pas là, c'est à côté. Ah, je vais peut-être me faire écraser. Oh. Si je me fais escrabouiller, est-ce que ça marche? Mais j'ai rien pour le faire descendre là. Je suis coincé en bas. Bon, le truc est en train de se casser la binette. De toute façon, j'aurai pas le temps. Donc, je me réveille et on va tenter un autre truc. Je pense pas que j'aurai le temps, mais on peut essayer. Il me faut. Ah bah. Ok, bon, c'est parti. On y va. Tut tut. Tut tut.
Oh, c'est chiant là. Barrez-vous! En train de me ralentir là. Est-ce que je vais le réussir du coup? Bah pas sûr. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je ne dirais pas que c'est un échec. Bizarre, bizarre. Voilà, n'oubliez pas, hein, ne pas toucher au câble électrique. Si Otto était là, il dirait que encore, encore une civilisation qui a oublié d'inventer les disjoncteurs différentiels. Hein. Coucou Season, salut tout le monde. Bienvenue les gens, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour ton raid. Et donc voilà. Si vous n'avez pas fait Outer Wilds et que vous voulez le faire, barrez-vous d'ici. Parce qu'évidemment ça spoil. C'est le problème du jeu. Pourquoi je suis là, moi? Ah, mais je peux même plus sortir, en fait. Si, ça a inondé? Non. Comment ça va, Season? Est-ce que tu as passé un bon live? Attendez, mais l'entrée, elle est où? Ah, c'est par là. Je me rappelle. Ouais, ça va. Ok, bon, cool. Le faire. Ah non, ça ferme automatiquement les portes. Ouais, c'est ça, je peux plus utiliser ça quoi. Et là-bas, je pense que je peux plus y aller. Vu que tout a été détruit. Ah, ça y est, il y a le... Il y a la tour qui vient de s'effondrer, là. Et du coup, plus très très loin de la fin.
Ça y est, on a la petite musique. T'étais sur quoi du coup, Season, toi? Des jeux de caca. T'étais sur Isaac? Aïe! Oh, je me suis fait mal. Je crois que je me suis fait un peu mal, hein. Je suis pas sûr, mais... Il y a quelques dommages. Valorant et Apex. Ah ouais, je sais pas si c'est caca, hein. J'ai toujours pas testé. Hein. Et bon, j'imagine que du coup, tu as perdu. Ouais. On va attendre que la boucle s'arrête. Gentiment, calmement. Vachement bien Outer Wilds, hein, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y toucher. Franchement, c'est un jeu qui vaut le coup. Moi, je passe des bons moments dessus. Quand je comprends ce qu'il faut faire. C'est-à-dire très régulièrement, évidemment. Bon, il faudrait mourir maintenant. Hein. Ah, ça y est, regardez. Ça y est, la supernova qui arrive. Me voilà Red Mort. Faudrait que je revoie quand même comment... Là il y en a un du coup j'ai compris là où il est passé. Il y en a un, il marchait dans le vide. Je sais plus comment il faisait mais il marchait dans le vide. C'était assez étrange d'ailleurs. Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Ah bah oui, la fameuse... ok. Mais comment on y va dans celui-là? Est-ce que je me rappelle comment on y va? Pas sûr. Hein. On va voir. Est-ce que c'est dans le premier? Est-ce que ça serait pas dans le premier... la première église, là? Attendez, j'ai le... J'ai... Ouais, j'ai les trois, ouais. J'ai les trois en tête, là. Ouais, j'ai les trois en tête. On va tenter la première église, là. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. J'ai tout oublié, ça y est. Je viens de jouer, mais j'ai tout oublié. Hein. Hop là! Pas le temps d'arrêter la fusée de manière correcte. Hein. C'est pas le tout, mais on a un monde à sauver. Hein. Non, pousse. Petit vent, hop, go. En fait, je peux y aller. Oui, je pouvais y aller sans le canot. Hein. J'avais pas besoin du canot pour aller arriver ici. Hop, on est par là. On passe par là.
Hop, on arrive là, on descend. Un peu à l'arrache, hein, c'est pas grave. On va aller réveiller les gens chelous. Non, c'était pas là. C'est là. Ma lanterne. Hop. Allez, rentre là-dedans. Putain, le mec est pas doué. Hein. Le mec est vraiment pas doué. Hop. Allez, tout le monde fait un petit somme. Tous les gens décédés font un petit somme, là. Et là, j'arrive ici. J'ai venu ici. C'est quoi ces conneries? Je suis jamais venu par là. Ça me dit rien que j'avais jamais visité en fait. Là, il y a une autre rive. Je peux pas y aller. Un truc qui aurait dû s'afficher là parce que oh là là, rentre pas dans l'eau, déconne pas, rentre pas dans l'eau là, t'es là, éteindre. Alors ça, je l'ai pas vu venir, ça. On peut éteindre les bougies au loin avec ce machin là. Juste un radeau.
Ah, j'arrive là. Qui, je vous avoue, m'arrange pas trop. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être un truc. Ok. Bon, c'est très cryptique, hein. Est-ce que je peux remonter? Non, je peux pas appeler l'ascenseur par là. Ce qui est bien emmerdant. Je peux soit afficher des trucs, soit éteindre. Oh là 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 là. Ça c'est ça, ça me donne rien. Non attendez, je vais me barrer. Je vais aller faire autre chose. Mec a un peu du mal. Il y a de la matière fantôme dans le coin là, j'ai clairement pas envie de lui faire des bisous. Hop. On va reprendre notre joli petit vaisseau. Marche à... Merde. Je suis allé un peu trop vite, je crois. Pas grave. À quoi ça sert un train d'atterrissage, sincèrement? Est-ce que ça peut avoir une quelconque utilité? Pas l'impression. Pas l'impression que ce soit vraiment quelque chose de très 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 utile, quoi. Alors, on va essayer de rentrer au village là. L'alarme pas chiante du tout. Non, ça c'est pas le village, mais le village est derrière. Voilà, le village il est par là. Hop là! Vous avez vu que ça servait à rien, hein?
Un train d'atterrissage. C'est surcoté, hein. Ensuite, nous avons... Petite pause roupillon. Autour d'un feu normal. Ce qui ne fait rien, hein. Puis nous avons... Ah, pour l'instant, il fait nuit, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse jour. Jour. J'aimerais bien qu'il fasse jour, comme ça, il y aurait le soleil. Ça, je pourrais cramer le truc dans le soleil. Ce qui est évidemment pas sympa, mais... Petite pause sieste. Combien de temps? Le jour se lève. Alors, il y a le soleil qui arrive là. Allez, go dans le soleil. Yes, je l'ai eu. J'ai balancé le truc dans le soleil. Pas très gentil, hein. Je sais. Est-ce que je peux ramener ça là-haut, moi? Alors, la statue Nomai qui a ouvert les yeux. Al, tu peux m'aider à traduire cette nouvelle langue aline que j'ai découverte? Ah bah oui, tiens. Une nouvelle langue? Oui, avec plaisir, par les étoiles. Un peu, je peux. Moi, juste disons... une centaine d'échantillons, quelque chose qui ressemble à un codex épigraphique et 6 mois. Je dois avoir une vague idée du genre de graphème utilisé dans cette nouvelle langue. J'ai vraiment hâte de commencer. Ah ouais, d'accord, t'as pas le temps, quoi. La statue a ouvert les yeux. Trouver Felspace, où sont les autres voyageurs, dis-moi en plus. Non, tout va bien. Bon, là, j'ai pas grand-chose.
Ok, ouais, donc ça marche pas avec le... Avec ça, ça ne marche pas. Ok, bon, on va arrêter la boue. Merabia. Elle s'est cognée la tête, cette gourdasse, en sautant sur la tour du PC. R comme Rabia. Quelle gourde. Je vous jure, c'est vraiment... C'est pas un chat. Hein. Rabia, c'est vraiment pas un chat. Ça a l'apparence d'un chat, mais c'est pas un chat. Faut lui faire un gros bisou qui guérit. Bah, tiens. Alors tiens, bah, si t'as envie d'aller lui faire un bisou, je t'invite à venir lui faire toi-même. Mais moi, je m'y risque pas. Hein. Bon, du coup, là, faut qu'on retourne au Grand Canyon du Colorado, là. Et il y a un passage secret derrière le... Je sais pas comment on va l'avoir, le passage secret, mais... Derrière le truc d'arbre, enfin qui ressemble à un arbre. On va essayer ça, on va tenter ça. Je suis sûr qu'elle m'arrache pas la gueule avec les griffes si j'essaye. Ouais, effectivement, ouais, tu peux... Tu peux tenter. J'ai un pote hein, qui essaye à chaque fois. Hein. J'ai un pote, à chaque fois qu'il voit Rabia, il la prend dans les bras. Hein. Et eh bah, tu peux être sûr que 15 secondes après, il regrette. Et encore, quand je dis 15... C'est si elle était clairement de bon poil. Poil. Rabia. Et poil. Rabia, elle a des poils, plein. Pour ça. Pour ça que je dis ça. Allez, on pivote. C'est moi qui pilote, là. N'empêche que leur vaisseau spatiaux en bois là, bah, ils marchent vachement bien hein, parce qu'ils retombent toujours, ils sont vachement bien équilibrés en fait. Ils retombent toujours du bon côté. Parce qu'un vaisseau spatiaux, quand il éclate, retombe sur ses pattes. Ça dit poil. C'est pas Rabia que j'ai pensé. T'as pensé à qui? Pensé à qui? T'as pensé au mec qui chante Daddy Day, c'est ça? T'as pensé à Daddy Day? À vous? À vous que t'as pensé à Daddy Day? Petit arc-en-ciel 3D là. Donc j'avais pas essayé par là, c'est quand même bizarre hein. C'est chelou. J'avais pas essayé le premier... La première église là. J'ai pensé à un vieux tweet de Bulbarrette que j'ai partagé il y a 30 minutes à quelqu'un. Je sais pas qui c'est Bulbarrette. J'ai pas la ref. La ref. Ah ouais, faut que je regarde la Didet. Ouais. Alors, tu vas kiffer. Tu vas kiffer, t'as pas idée. Hein.
Je me doutais que tu connais pas. C'est un grand monsieur poilu. Ok, d'accord. Il fait quoi dans la vie, ce grand monsieur poilu? Attendez, je peux pas aller en bas. Ah non, bah regardez, je peux pas aller en bas. Hein. Parce qu'en bas, spoiler, il n'y a plus rien. En fait, c'est normalement dans cette bâtisse-là. Mais là, il n'y a plus rien dans cette bâtisse. Il fait du prompt. Ah d'accord. Ah non, désolé, je... Dans ma collègue... Dans ma collègue, c'est plutôt le nom des meufs qu'on met en avant. Plutôt que le nom des mecs. Les mecs, c'est assez rare que... C'est assez rare qu'il les nomme en fait. Ouais, c'est simple, il y a zéro de nom de nada. Mais c'est pas possible. Ah, faut que j'aille en face. Et pour aller en face, il faut que... Non. Je sais plus. Oui. Que je descende. Que j'aille en face là. Ensuite. C'est loin. C'est beau, mais c'est loin. Ensuite, je vais là. Je monte à l'étage. Puis je vais par là. Le jeu me fait un peu peur en me disant oh là là, regarde, il y a des petits bruits, tout ça. Mais en fait, on s'en fout. J'affiche le pont. Je me casse de là. Ah là là, le joli tapis. Je vais au bout. Je regarde la statue qui me téléporte. Là, le pont est affiché. Ensuite, je descends, je descends. Là, j'arrive ici. Et là, ça marche pas. Parce qu'il y a les lampes là. Il y a les lampes là qui me gênent. J'ai écouté la moitié du dernier podcast sur les Zizi. C'est sympa. Et oui, la dame elle est trop pro. Ah non, non, mais elle est franchement chouette. Hein. Anne-Laure, moi j'ai vraiment passé... J'ai vraiment passé un bon moment avec elle. Hein. C'était vraiment cool. Hein. Ouais, là c'est le truc pour descendre, ouais. Et là moi je m'en fous un peu de descendre, en fait je suis bien là où je suis. Hein. Mais c'est pas là qui... Non.
Ça va faire peur. Ouais, non, ça fait peur. Hein. Oh, ça fait peur. Pour l'instant, ça fait pas peur. Mais regardez là en face. Mais ouais, c'est pile en face du. Comment on traverse? C'est pile en face là. Comment on ouvre? Comment j'éteins ça? Casse ça, s'il te plaît. Pète-les les trucs. Merde, il veut pas. Il avait oublié que je venais. Ah. Ah. Ah mais il y a un truc juste en face quoi. Comment j'y vais? Regardez, c'est là. Oh là là! Et à côté, comment j'y vais aussi? Ah non, mais c'est peut-être justement là où ça m'emmène. Ah, ça ira bien, chiale parce qu'elle veut sortir. Là, je peux éteindre. Si je saute, je m'éclate en fait. C'est quand même vraiment haut là, je peux pas sauter direct. Ça ne marcherait pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un angle? Je veux pas acheter artefact, je veux éteindre. Mais ouais, ok, il va me lâcher à chaque fois. Super, vachement pratique, merci. On va tout éteindre. Merde. Je croyais que si je tombe de là, non, je vais m'éclater en bas. Attendez. Est-ce que vous pensez que le pont existe? Si. Là, je le vois. Mais genre, est-ce que là, il va exister ou pas le pont? Non. Merde. J'aurais tenté, hein. J'aurais tenté. Mais effectivement, le pont n'existe pas. Mais par contre, on voit bien que derrière le truc de l'arbre, il y a... Il y a une porte, quoi. Mais comment on l'atteint par contre? Merde. Il y a le barrage qui vient de péter là. Et donc j'arrive là.
Et puis j'ai rien ici qui ferait penser à quoi. Je me disais, ça se trouve, je peux éteindre une lumière ici qui ferait que, après, de l'autre côté, c'est éteint. Ou alors c'est éteint maintenant? Ah non, c'est même pas sous l'eau. C'est chelou. Alors, on y retourne. On est là. Et les petites lumières qui sont allumées. Là, je pense que le passage, ça nous amène ici. Oh, ou alors, faut arriver là pour éteindre. Comment on y va là-haut? Est-ce que là, ça se trouve, c'est un truc pour éteindre toutes les lumières du bâtiment? Et donc faire en sorte que la porte soit... Je dis ça, c'est qu'une supposition nulle, hein, mais... Maintenant, j'en suis là, quoi. J'aimerais bien aller à l'étage, moi. Ouais, merci. On arrive là. Oh là. Oh là là, voilà. Trouvède. Je peux marcher dans le vide. Comme on l'avait vu sur une vidéo. Sur une vidéo. Et là. Oh non, mais merde! Ça a ouvert toutes les portes qui étaient fermées. Il y a un mec. Ok, ça les fait venir. Putain, il y a des mecs.
Putain, y'a des mecs. Bon, là, j'ai plus le temps. Il aurait fallu que j'aille avant, en fait. Oh là là, la flip. Il y a ça, pause sieste. Ils sont bien là, donc du coup. Les ceux qu'on cherche depuis le début, là. Regardez-les. Ils ont pas l'air commodes, hein. Je vous avoue qu'ils n'ont pas l'air hyper commodes. Bon, j'en ai trouvé un du coup. Là, c'est la fin de ma boucle. Hein. Dans la petite musique. Comment j'aurais pu faire aussi d'autres? En fait, ouais, il faut avant que j'éteigne la lumière, il faut que j'aille débloquer le pont. C'est ça. Pour pouvoir descendre l'étage. Et pouvoir traverser, quoi. Et ben on va retester. Hein. Allez. Finissons-en comme ça. Zut, je me suis loupé. Je voulais me tuer. J'ai pas réussi. Aïe. Je m'ai cogné la tête. Et hop, fin de la boucle. Ouais, non, j'ai compris. Mais ah, putain, il y a des mecs, quoi. Est-ce que ce monde est sérieux, quoi? Allez, fin de la boucle, mais aussi fin de cette vidéo YouTube. Je vous fais des bisous et on se retrouve incessamment sous peu. Bye.